Aujourd'hui encore, beaucoup choisissent la vie en colocation pour une vie plus harmonieuse, limiter les frais ou tout simplement pour ne pas se sentir seul. Pour vous, nous nous sommes rendus chez 4 jeunes qui pratiquent ce mode de vie. Apparemment, ici, le mâle dominant est Christian. En tout cas, ici, il n'y a pas de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Arrêtez de traîner un peu. Bougez, nettoyez, rangez. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'huile de moteur. C'est sale, très sale. Attends, Christian, vous ne me laissez rien faire. C'est moi qui fais tout, vous en foutez partout. Moi, je suis tout le temps là, rien à tout faire. Hein? Arrête de me regarder. Va travailler. Ouais, la vie en coloc, c'est délire. Hein, Chris? Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de chef. Pas de chef. Écoute-moi bien. Tu fais jamais rien ici. Tu es mal élevé. Va te coucher. File. Parfois, à cause du désordre, on peut avoir quelques surprises. Putain, il y a un bordel ici. J'ai soif. Hey, on a retrouvé Philippe. Mais non, c'est David. Ah bon, c'est toujours pas où est Philippe alors. Apparemment, retrouver de ses anciens colocataires est devenu une habitude ici. Ah, s'il vous plaît, monsieur, vous venez de sortir. Comment c'est pour... J'ai soif. Non mais, ça va pas ou quoi? Laissez-le tranquille. Il a soif, il doit faire la vaisselle. Ça fait 3 jours. 3 jours de retard, vous comprenez? C'est vrai que, au début, on était 17, mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins de personnes. N'oublions tout de même pas que la vie en colocation est avant tout une partie de plaisir. Vous savez, les échecs, c'est une question de stratégie. C'est tout simple. Échec qui mate. Moi. Moi touché. C'est fini. Dégage. Je veux plus te voir. Moi, je vais vous dire, la vie en colocation, c'est pas toujours facile. Hein. C'est même plutôt dur. Il y en a un là, Christian, là, il fait son petit chef là. Un jour, moi je vous le dis, je vais lui en mettre une. Hein. Un coup de plumeau, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Oh, mais c'est incroyable ça. C'est vraiment du mauvais travail. Tu vas me recommencer. Tu vas me relaver cette assiette. Immédiatement. Oui. Tiens, là. Oh, c'est pas vrai. Il m'énerve lui. Bon, je vais être sincère avec vous, il y en a un autre, Eddie là. Lui, il prend rien de sa journée, il reste tout le temps assis. Lui, ça me convient. Lui, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Parce que si lui, il est loin dans sa vie, c'est sûr. Il s'allie pas, il fait rien. Ça, les gens comme ça, toujours bien. C'est... Excusez-moi, monsieur. Vous êtes un très mauvais caméraman. Je me permets de vous le dire parce que votre cadrage, vous voyez là, il est pas très bien. Il faudrait filmer comme ça. Regardez, un petit zoom, en gros plan. Et voilà, ça, c'est du top. Chacun y ajoute sa petite touche personnelle. Mais l'ennui peut être aussi au rendez-vous. Oh, oh, oh! Arrête de traîner dans les pattes! Allez, ramasse-toi! Tu vas me refaire cette vaisselle, nom d'une pipe! Allez, pour la 10e fois! Salopio, c'est incroyable. Hé, tu fais quoi, Eddie? Certains ont du mal à trouver leur place, à s'intégrer. Non mais oh, tu bois là? Ce matin tu bois, ce midi tu bois, ce soir tu bois. C'est mon nom. Arrête maintenant. C'est vrai, il arrête pas de boire. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule peut-être? Dégage, je veux plus te voir. Et toi, arrête de boire, ok? J'en ai marre qu'on me respecte pas ici, bordel de merde. Vous comprenez ça montage, j'espère. Hé, hey, Joris, hey, tu veux t'aider? Je vais t'aider. Quentin. Oui. Ici, c'est moi qui fais la vaisselle. Vous savez, c'est tout depuis toujours. Plus que Marc, Quentin. Plus que Marc, va-t'en. Oh, je peux rien faire ici, rien. Malheureusement, certains peuvent complètement disjoncter. Joris, t'en marre. C'est moi qui fais tout le temps le ménage, la vaisselle, mais jamais. Mais vous ne voulez pas vous me filmer. Au final, la vie en colocation est... elle est passionnante.
On vous remercie de nous avoir suivis. À une prochaine fois.